Paul-Antoine Martin, bienvenue chez Livre Noir. Bonjour. Vous êtes l'auteur du Clan des Seigneurs aux éditions Max Milo. Selon la tradition de l'émission, nous allons commencer par une citation, cette fois de Joseph de Maistre. Je cite « Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite ». Paul-Antoine Martin, est-ce que vous êtes d'accord avec l'auteur contre-révolutionnaire ? Je dirais a priori oui. Je dirais oui parce que si je regarde l'actualité, si je regarde les temps actuels, hein, nous vivons une époque où le peuple, en fait, la population a été fortement dépolitisée. Et de fait, en étant fortement dépolitisée, elle a perdu son rôle de souverain, puisque le peuple est souverain dans une démocratie comme la nôtre. Et de fait, nous subissons aujourd'hui un gouvernement ou un pouvoir, on va dire de façon plus générale, qui s'oriente, à mon sens, vers un pouvoir que l'on pourrait qualifier de pré-totalitaire. Voilà. Et cette dépolitisation, hein, de la population qui vient de très loin, aujourd'hui conduit à un pouvoir, à la fois un pouvoir et une population qui sont décorrélées, déconnectées. Et c'est un boulevard qui est ouvert, en fait, à un pouvoir pour pouvoir faire ce qu'il entend et avoir de moins en moins de considération pour la population. Donc vous l'aurez compris, durant cet entretien, nous allons échanger principalement sur donc, les réseaux, l'oligarchie et nos politiques en France. J'en profite pour remercier nos fidèles auditeurs. N'hésitez pas, comme à chaque fois, commenter, partager, aimer cette vidéo. C'est très important pour le référencement. Cette crise sociale, politique en France que nous vivons, comment vous l'analysez-vous ? Je la suis de très près parce que je la regarde avec le prisme. Le prisme qui est le thème de mon livre. Le thème de mon livre, c'est une alerte, hein, sur l'état d'esprit de ce que l'on pourrait appeler notre élite. Hein. Je parle des trois grands corps d'État qui se sont accaparés l'État et qui d'aujourd'hui se sont accaparés le pouvoir. Donc la crise politique que nous vivons aujourd'hui, qui à mon sens risque d'être violente, est aujourd'hui un moment charnière. Nous vivons un moment charnière, à mon sens, dans notre vie démocratique. Comment je l'analyse ? Je l'analyse sous la forme suivante. Parce que je les ai vus à l'œuvre pendant une quinzaine d'années, hein, comme je le raconte dans mon livre, je les ai vus dans ces individus, hein, qui sont sortis des plus grands corps d'État et qui sont aujourd'hui au pouvoir, je les ai vus dans la surconfiance. Ce sont des gens qui sont dans une surconfiance totale, dans une grande arrogance, dans une écoute très faible. Et donc, j'ai perçu depuis le début qu'on irait jusqu'au 49-3. Et puis, ce que j'ai vu aussi, ce à quoi je ne m'attendais pas et qui est finalement une nouveauté, hein, avec ce que nous vivons actuellement, c'est le dévoiement des institutions. Et je l'analyse aussi de la façon suivante, c'est-à-dire que j'ai tellement vu de hauts fonctionnaires pour lesquels à la fois le respect de la loi ou le respect des règles était un jeu avec lesquels c'était des concepts avec lesquels on pouvait jouer, voire dépasser largement ce qui était légal. Je vois tout à fait, et je me suis tout à fait imaginé dans les cabinets ministériels, voir des hauts fonctionnaires jouer avec les articles, en fait, de la Constitution, et trouver le moyen de dévoyer l'esprit de la Constitution pour
arriver à leur fin. C'est quelque chose que j'ai très souvent vu. Cette façon de jouer avec des choses aussi importantes me paraît extrêmement inquiétante. Et ça n'augure rien de bon, ça ne fait que renforcer, à mon sens, la perception, et d'ailleurs la population le perçoit bien par la colère qui se lève aujourd'hui. Elle perçoit bien qu'il y a un pouvoir qui aujourd'hui ne représente plus la population. C'est-à-dire que le peuple, de ce fait, n'est plus souverain. On n'est plus dans l'esprit de la Constitution de 58, et on n'est certainement pas dans l'esprit de l'article 47.1 qui a été utilisé, et non plus dans l'esprit de l'article 49.3. C'est-à-dire qu'il faut bien se rappeler qu'à l'époque, l'article 49.3 a été introduit dans la Constitution pour justement essayer de contrecarrer un parlementarisme qui était que l'on pouvait craindre trop fort suite à la 4e République. Or, aujourd'hui, c'est le contraire qui s'est passé. On a utilisé le 49.3 pour justement empêcher le Parlement d'avoir un débat complet. Donc on est dans un esprit inverse, et ça montre bien tout ça qu'il y a eu un dévoiement complet des institutions, ce qui est profondément grave, et ce qui, à mon sens, montre que l'on est en train d'assister à l'affirmation d'un totalitarisme que je considérais jusqu'à maintenant rampant et qui cherche à s'afficher beaucoup plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la crise que nous vivons aujourd'hui, à mon sens, est un moment charnière dans notre vie démocratique. Soit la loi est promulguée et effective, et à ce moment-là, le pouvoir aura fait l'expérience qu'il peut très facilement donc dépasser à la fois la colère du peuple, mais aussi sa volonté. Soit il recule et ne promulgue pas la loi, et à ce moment-là, on peut retrouver un équilibre qui pourrait être beaucoup plus sain dans notre démocratie. Mais il y a beaucoup de choses à construire. Et donc cette réforme des retraites, par qui est-elle écrite et pour qui et dans quel but ? Cette réforme des retraites, il semblerait effectivement que c'est une commande des marchés financiers pour montrer que la France est au diapason de la volonté des marchés financiers. C'est ce que l'on peut tout à fait percevoir. Ce qui est clair aussi, c'est qu'elle est écrite par cette caste que je décris dans le livre, hein, j'ai interpellé notre première ministre à ce sujet-là sur Twitter, parce que ce qu'il faut que les auditeurs sachent, c'est que ces hauts fonctionnaires issus de grands corps d'État, comme Mme Borne, par exemple, ou de nombreux hauts fonctionnaires des cabinets ministériels ou de la haute fonction publique, bénéficient de privilèges tout à fait particuliers que la population ne connaît pas au regard de leur retraite. C'est-à-dire que ces gens commencent à travailler vers 23, 24, 25 ans, mais ils sont considérés au regard de la retraite d'avoir commencé à travailler vers 19, 20 ans. C'est-à-dire qu'ils bénéficient de ce qu'aujourd'hui on appelle les carrières longues. Ce qui est un scandale au regard, en fait, d'une carrière qui correspond normalement à ce que fait un bac plus 4 ou un bac plus 5. C'est une sorte de régime spécial. Ah, c'est un régime tout à fait spécial. Et c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon livre, où je à un moment donné, le personnage principal interroge un des hauts fonctionnaires d'un grand corps d'État lors d'une discussion qui a lieu entre eux, sur un sujet totalement parallèle, au cœur d'une précédente réforme de retraite. Et le haut fonctionnaire lui répond « Mais moi, je m'en fiche, ça ne me concerne pas. » Et là, on voit que ce qui est tragique dans notre pays, c'est que
On a une haute fonction publique, donc des hauts fonctionnaires qui ont le pouvoir, qui décident de lois, qui décident de réformes qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Donc c'est tout à fait choquant, c'est tout à fait scandaleux. Un haut fonctionnaire ou un homme de pouvoir ne peut pas décider à ce point de réformes qui vont profondément modifier donc la vie de la population, tout en étant totalement extérieur au périmètre d'effet de cette loi. Et c'est quelque chose qui se répète beaucoup, parce que ces gens, tous ces hauts fonctionnaires, appartiennent à un groupe, alors on va peut-être en parler un peu plus tard, mais à un groupe qui bénéficie de privilèges extrêmement larges, d'une impunité révoltante, on va pouvoir en parler aussi et donner quelques illustrations, qui leur permettent de vivre dans un monde totalement à part, dans un monde virtuel, avec d'un côté une population qui subit les lois, les réformes, et de l'autre, ce groupe, cette caste, qui vit dans un monde que j'appelle dans le livre le monde merveilleux des corps. En quoi Emmanuel Macron est un seigneur, ce que vous appelez un seigneur? Ah, lui, je l'appelle même le prince des seigneurs. Je l'appelle le prince des seigneurs parce que c'est un homme qui est issu de cette caste, qui en fait partie. Il est inspecteur général des finances. D'ailleurs, quand on sort d'un grand corps d'État comme ça, on l'est marqué à vie. Moi, j'ai croisé tant de personnes qui sont issues de ces corps-là. Même à 60 ans, ils se présentent avec leur positionnement de corps d'État. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il garde à vie. Pourquoi c'est un seigneur? Parce qu'il fait partie de ce groupe qui vit dans une impunité absolue, qui vit de privilèges tout à fait particuliers et qui n'appartient pas ou qui n'a pas eu de vie, en fait, qui a nécessité de faire preuve de courage, de faire preuve d'abnégation. C'est pas un homme politique comme on a pu les connaître après-guerre, qui eux ont eu tout un passé très riche, un passé de souffrance, un passé de combat, un passé de révolte. Emmanuel Macron, c'est un homme qui, certes avec une aptitude intellectuelle brillante, mais qui vit ou qui a vécu dans un monde extrêmement cocooné, extrêmement préservé. Et ce sont ces seigneurs que je décris en fait dans le livre. Ce sont ces gens qui ont une vie à part, avec un regard de caste sur tout ce qui n'appartient pas à la caste. Et qui vont chercher à détruire tout ce qui peut les contredire, en fait, leur positionnement. Donc, ce mot « seigneur », il renvoie... Alors, le titre du livre, « Le clan des seigneurs », renvoie aussi, entre les lignes, au clan des Siciliens, parce qu'il y a un fonctionnement mafieux dans ce fonctionnement des castes, dans ce fonctionnement de la caste. Même féodal. Et féodal. Donc, c'est le mot « seigneur », effectivement, féodal, au sens où il y a un positionnement totalement au-dessus, et d'ailleurs il s'appelle haut fonctionnaire. On est dans une imagerie qui parle d'elle-même. Ces gens se positionnent au-dessus des autres et savent pour tous les autres. Donc ils considèrent qu'ils ont la possibilité, par leur diplôme, d'avoir la connaissance sur tous les sujets et de pouvoir imposer leur vue à tous. C'est quoi un haut fonctionnaire? Est-ce que vous pouvez nous le définir? Alors, je vais plutôt définir un grand corps d'État. Un grand corps d'État, j'évoque trois grands corps d'État dans le livre. Il y a dans la fonction publique, il y a une multitude de corps administratifs, mais il y en a trois qui sont
les corps prestigieux, en fait, du pays. Donc, ce sont ces trois grands corps. Deux corps d'ingénieurs, le corps des mines et le corps des ponts, qui sont principalement constitués de personnes qui sont passées soit par Polytechnique, soit par Normale Sup, mais qui sont sortis dans les premiers de ces écoles-là. Et puis, il y a ensuite les élèves issus de l'ancien ENA, avec principalement les grands corps qui sont à l'intérieur, l'Inspection Générale des Finances, le Conseil d'État et la Cour des Comptes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'administration a le vrai pouvoir en France ? Je considère effectivement que l'administration a un pouvoir considérable, pour plusieurs raisons. Elle a un pouvoir considérable, enfin, ces grands corps ont un pouvoir considérable parce qu'ils occupent toute la strate de pouvoir de l'administration. C'est-à-dire, ils sont à la tête de toutes les grandes administrations françaises, d'une part, et d'autre part, entre eux, ils se sont partagés, en fait, les secteurs dans lesquels ils peuvent être nommés. C'est-à-dire qu'ils se sont réservés, littéralement, des pans d'activité. Donc, je décris dans le livre que, par exemple, je prends un secteur particulier dans lequel j'ai eu à travailler, le secteur portuaire et le secteur ferroviaire. Pardon. Et dans ces deux secteurs-là, ce qu'il faut voir, ce qui est très impressionnant, de voir à quel point il y a la mainmise, en fait, de ces corps d'État sur des secteurs entiers de l'économie, tous les postes de décision entre le directeur de port et on va dire le ministre, voire l'ensemble du cabinet ministériel, tous les postes sont remplis par des membres du corps des ponts. Et vous allez trouver la même chose avec le corps des mines dans d'autres secteurs, avec l'ENA, par exemple, dans les hôpitaux, dans les finances, etc. Donc, ils se sont répartis l'ensemble, en fait, des postes de pouvoir. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils vivent dans un entre-soi. Et ils se sont, et le mot corps, en fait, parle de lui-même, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement soudés. Et là, ça renvoie au système mafieux que j'évoquais tout à l'heure. Ils sont extrêmement soudés, et en étant extrêmement soudés, ils se sont construits des véritables citadelles. C'est-à-dire qui leur permet, en fait, de pleinement occuper le pouvoir dans ces différents postes-là. Et ils s'échangent entre eux les postes. Autre point, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tous les organes de contrôle qui sont là pour justement contrôler, auditer, vérifier le bon usage de l'argent public, etc., ou le bon fonctionnement, ou les bonnes stratégies employées pour développer les ports, le ferroviaire, les hôpitaux, etc., tous ces organes de contrôle sont occupés par le même corps d'État que le corps d'État qu'ils auditent. Ce qui fait qu'encore une fois, ce sont des audits, moi j'ai vu des audits qui sont, je dirais pas truqués, mais qui n'ont rien de normal, au sens où l'auditeur d'aujourd'hui peut être l'audité de demain, et réciproquement. Ce qui fait que ces organes de contrôle, j'estime, moi je les ai vus ne pas faire pleinement leur travail. Ça, c'est un autre point. Et le dernier point, qui est, je trouve, très visible, d'une certaine façon, enfin, très choquant en tout cas, c'est que tout ce groupe de la haute fonction publique, tous ces grands corps d'État qui ont le pouvoir, j'estime aujourd'hui qu'ils sont dans un angle mort démocratique. Au sens où, dans la position qu'ils occupent, la population, le peuple, qui est souverain dans une démocratie, devrait pouvoir avoir un contrôle sur la façon dont ils occupent leur pouvoir ou dont ils s'en servent. Or, aujourd'hui, ce sont des gens qui sont non élus,
qui sont inconnus de la population, qu'il ne sait même pas que le mode de fonctionnement, le mode d'entre-soi, de vase clos dans lequel il fonctionne, les privilèges qu'ils ont. Bilan, ils ont un pouvoir d'autant plus fort qu'ils l'occupent, on va dire, dans une certaine obscurité. Et c'est ce que j'appelle état profond. Alors c'est ce que certains appellent effectivement état profond, et c'est ce que j'appelle l'angle mort démocratique. Aujourd'hui, effectivement, la population n'a pas prise sur cette population-là, qui pourtant a un pouvoir très important dans notre pays. Ce qui pose vraiment la question aujourd'hui, pour aller jusqu'au fond de l'actualité, ce qui pose vraiment la question du dessaisissement dont est, on va dire, victime le peuple aujourd'hui, d'un point de vue démocratique. Non seulement il a été dépolitisé, mais j'estime aussi qu'il est dessaisi De la chose publique. De la chose publique. Que ces hauts fonctionnaires n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus et ils ne rendent pas compte. Ce qui est absolument incroyable. Ils ne rendent pas compte. Je ne sais pas à qui rendre compte. Moi, je ne les ai pas vus rendre compte. Et c'est extrêmement grave. Ce sont eux qui vont engager des sommes considérables. Ce sont eux qui vont avoir à établir des stratégies sur le long terme, sur le moyen terme et le long terme. Donc, engager des véritables politiques qui vont orienter le pays dans des directions tout à fait structurantes et déterminantes pour le pays. Alors, on l'a vu sur le nucléaire. Les positions qui ont été prises ont été dramatiques, mais on le voit sur le portuaire. Je décris dans le livre que, d'une part, l'évolution du commerce maritime mondial entre l'année 2000 et l'année 2019, donc sur 20 ans, a doublé, a évolué de 100%. L'Europe est le premier partenaire commercial de la Chine. Eh bien, en Europe, il y a un pays qui n'a pas su profiter de cette manne commerciale absolument considérable, qui aurait pu développer des centaines de milliers d'emplois dans le pays, qui aurait pu faire ruisseler, pour le coup, c'est vraiment le terme de ruissellement, qui aurait pu faire ruisseler des dizaines, voire des centaines de milliards dans le pays. Il y a un pays qui n'a pas su profiter de cette manne, c'est la France. La progression de son trafic portuaire a été de 0,25% sur ses 20 ans. Donc 400 fois moins en ratio. C'est considérable. Et c'est pas quelque chose de tout à fait classique en Europe, non. En Allemagne, dans le Benelux, en Espagne, en Italie, tous ces pays ont su profiter de cette évolution du commerce maritime. Donc on est passé complètement à côté. Et pourtant, on a un groupe de et je pense que c'est dans tous les secteurs en fait que dirige le pays, voire aussi dans des entreprises du CAC 40, parce que ces grands corps d'État sont aussi très présents dans le CAC 40. Eh bien, dans le domaine des ports et du ferroviaire, tous ces gens se félicitent et se glorifient des résultats obtenus année après année. Donc il y a une dissociation qui est absolument stupéfiante, qui est même inquiétante, de voir le déni dans lequel cette élite se positionne, incapable d'endosser une responsabilité, puisqu'ils sont aux manettes depuis des dizaines d'années, et qui continue de se glorifier année après année sur leurs résultats. Et pire, j'invite les auditeurs et les téléspectateurs à aller regarder un document tout à fait intéressant qui s'appelle « Arriver à bon port ». C'est un livre qui a été édité par par Ports de France, l'association des ports de France, regroupant les grands ports maritimes français de commerce et puis les ports de moindre importance. Donc ce livre « Arrivé à bon port » qui a été édité en 2017 a été préfacé par la ministre des Transports de l'époque, Madame Elisabeth Borne, aujourd'hui Première ministre. Et il y a une phrase tout à fait intéressante, c'est-à-dire elle fait la préface et elle termine par cette phrase: « Au vu des résultats du chemin parcouru,
et des résultats obtenus, nous pouvons regarder l'avenir avec confiance. Or, le chemin parcouru et les résultats obtenus sont nuls. Et on peut justement regarder l'avenir avec le contraire de la confiance. Donc, il y a un niveau de déni. À minimum, il y a le déni, mais il y a aussi une connivence, une façon de se... C'est l'entre-soi dont je parlais. Et puis cette façon aussi d'être incapable de juger un autre membre du corps des ponts, ou du corps des mines, ou de l'ENA, entre eux, qui est un véritable cancer pour le pays. C'est-à-dire que ces gens sont incapables de porter un jugement qui peut être une appréciation, qui peut être négative sur le travail de l'autre. Alors que là, on voit très clairement, les courbes le montrent, que la situation des ports français est profondément critique. Vous parlez des politiques. Quelle est la relation entre les hauts fonctionnaires et donc les politiques? Est-ce qu'il y a une relation de dépendance? Est-ce qu'il faudrait, comme aux États-Unis, qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau président, par exemple, une nouvelle administration? Comme on appelle l'administration Trump ou l'administration Biden. Tout à fait. Alors, c'est une excellente question. Je vais faire référence... Pour que, justement, que les hauts fonctionnaires sautent quand il y a une nouvelle présidence. Quoi. Et donc, soient dépendants, finalement, du politique. Oui, soit un véritable rouage du politique. Et non pas une sorte de rouage qui pourrait Oui, parce qu'il y a un vrai rapport de force. Quoi. Il y a un vrai rapport de force, très clairement, entre le politique et le haut fonctionnaire. Puisque le haut fonctionnaire, lui, il est là sur le temps très long. Le politique, il est là sur le temps court. Donc, le haut fonctionnaire, c'est pertinemment, et moi je les ai entendus le dire, de toute façon, dans un an, le politique n'est plus là. Donc, il y a cette façon, en fait, il y a cette désinvolture de pouvoir résister ou de pouvoir ne pas considérer ce que le politique souhaite mettre en place. Donc là, il y a une véritable, un dévoiement de l'esprit de la Constitution et de l'esprit qui fait le peuple souverain. Ces gens-là, qui ne sont pas élus, n'ont pas à avoir ce genre de comportement ou d'attitude. Ce qui, effectivement, renvoie à cette idée... Comme vous l'évoquez, que on peut penser que les politiques pourraient arriver avec leur équipe et installer une équipe complète dans la strate de la haute fonction publique pour pouvoir assurer un passage de relais fluide. Si on se réfère à une des craintes du général de Gaulle, elle était la suivante, c'était que les hauts fonctionnaires prennent un jour en main le destin du pays. Ben, je crois qu'on y est aujourd'hui. On est là, on est à ce moment où, à ce moment, c'est pas nouveau, c'est déjà depuis quelques années, que la haute fonction publique a pris le pouvoir sur le politique. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les politiques, il y a une connivence entre le politique et le haut fonctionnaire de plus en plus, et on le voit dans le gouvernement actuel, les politiques sont issus de cette haute fonction publique. On le voit dans le gouvernement, il n'y en a que très peu qui ne sont pas issus de la haute fonction publique. Donc, ils en viennent, ils passent un temps politique, ils y retournent, ou alors ils vont aller pantoufler dans le privé. Mais il y a un lien qui est malsain, très clairement. Je pense qu'il y a 30 ou 40 ans, la présence en fait, de hauts fonctionnaires dans les gouvernements était beaucoup plus rare. On parlait tout à l'heure de la démocratie. Est-ce que nous sommes vraiment en démocratie avec cette haute administration qui n'est finalement pas élue? Bien, je crois qu'on est aujourd'hui dans un système qui ressemble, qui a la forme d'une démocratie. On vote. De l'ancien régime, en fait. Est-ce qu'on serait finalement dans l'ancien régime avec une société d'ordre? Alors, on peut être dans une société d'ordre, on va être, dans une société, dans quelque chose qui va être un peu protéiforme, dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, j'estime que cette haute fonction publique qui a le pouvoir, qui a une grande partie du pouvoir, est dans un angle mort démocratique. Donc ça, déjà, c'est un défaut majeur. Je considère qu'elle n'est plus une élite,
mais une oligarchie. Donc il y a une nuance très différente, très importante. Il y a une citation en exergue de mon livre que j'ai emprunté à Georges Bernanos, un homme très extrêmement lucide et extrêmement clair dans ses propos et dans ses visions. Il évoque... Il y avait peut-être une autre Élise à l'époque de Bernanos, d'ailleurs. Mais... Oui, je pense aussi. Mais déjà, il avait perçu les choses. Il avait perçu que quand l'élite prenait beaucoup plus... recevait beaucoup plus qu'elle donnait, on n'était plus dans un système qui pouvait être viable et qui donnait en fait au peuple et à la population le pouvoir. C'est aujourd'hui, je pense, qu'on est dans une situation où cette élite, cette haute fonction publique, qui normalement devrait être l'élite du pays, reçoit beaucoup plus qu'elle donne. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une telle perte de valeur, il y a un tel manque d'attachement à la vérité, il y a une telle propagation du mensonge, d'usage du mensonge et de la manipulation, mais à tous les niveaux, et on le voit de façon affolante en ce moment, que cette élite n'en est plus une, et que cette élite s'est muée en oligarchie, c'est-à-dire qu'elle a aujourd'hui pris le pouvoir pour recevoir et pour se nourrir sur le pays. Je vous cite justement dans votre livre « Le clan des seigneurs ». Ils agissaient tels des parvenus, dénués du moindre amour pour leur pays, dépossédant l'intérêt général de sa valeur. Pourquoi une telle virulence ? Oui, cette phrase est très forte, elle est violente. Pourquoi une telle virulence ? Parce que j'ai été témoin de situations qui sont révoltantes et qui montrent que effectivement. Beaucoup sont devenus des imposteurs dans ce système-là. Beaucoup ne... Alors, bien sûr, il y en a, j'en ai vu un grand nombre, qui sont de qualité. Mais souvent, ceux qui sont de qualité, en tout cas ceux que j'ai vus de qualité, sont partis dans le privé. Et les autres sont restés dans la haute fonction publique. Mais j'ai vu, effectivement, des imposteurs qui jouaient à l'élite, qui n'endossaient pas l'exigence d'exemplarité. Et c'est en ce sens-là que je parle d'imposteur. C'est-à-dire que je considère que dans une telle position, et un pays qui ne reconnaît plus dans son élite l'exemplarité ou un groupe qui guide, c'est un pays qui est voué à s'effondrer. En tout cas, c'est un pays qui est voué à éclater. J'ai vu, effectivement, donc, des imposteurs. J'ai vu des gens qui ne se considèrent pas responsables, qui endossent, en fait, le mot de responsabilité, le terme de responsabilité. Et on le voit beaucoup au gouvernement. On entend beaucoup « en responsabilité ». En responsabilité. Je prends mes responsabilités. Mais si on s'arrête deux minutes et qu'on se pose la question, mais... Ça veut rien dire. Ils risquent quoi, ces gens ? Ces personnes-là, que risquent-ils ? Rien, absolument rien. Ils ne risquent rien, ils ont la carrière garantie, ils ont les revenus croissants garantis, ils ont l'impunité garantie, ils s'amnistient entre eux. Ils ne risquent absolument rien. Donc, où est la responsabilité ? Comment parler de responsabilité quand on voit des boulangers qui sont obligés de fermer, qui font faillite ? Et qui sont pleinement responsables de leur activité, qui font faillite parce que l'électricité a fait x10, x20, x30 au niveau du tarif. Je suis extrêmement choqué, effectivement, par ce mot de responsabilité qui est utilisé extrêmement souvent dans la bouche de ces personnes-là et qui ne revêt pas une véritable valeur. Vous parlez aussi d'un corporatisme généralisé, de cooptation, même de réseaux francs-maçons. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, sur ce système ? Je l'ai déjà évoqué un petit peu dans l'entretien précédemment.
ce groupe, ces hauts fonctionnaires qui sortent des grands corps d'État, et le mot « corps » signifie bien qu'ils sont en groupe et ils sont, on va dire, presque serrés entre eux, constituent, comment dire, un corps par leur façon d'être très proche les uns des autres. Ce sont des frères. Ils ont un comportement, on va dire, fraternel, très fraternel entre eux, qu'ils peuvent même doubler d'une activité de fraternité discrète, dirons-nous, en loge. D'ailleurs, il existe des loges uniquement composées de hauts fonctionnaires. D'accord. Et Ursy, dans le livre, qui est un des le haut fonctionnaire qui traverse tout le livre, fait naturellement partie d'une loge et l'utilise quand il est en difficulté. Alors, ces groupes fonctionnent en réseau et sont forts par les réseaux qu'ils occupent. Et quand, imaginez que vous soyez dans des postes de pouvoir, des postes les plus élevés, et que vous fonctionnez entre vous en réseau, vous doublez, vous décuplez votre pouvoir et votre impunité. Il y a une émission très intéressante sur Alexis Kohler, là, qui est sorti par complément d'enquête il y a quelques jours. Ce qui est très intéressant, c'est de voir quand le journaliste pose la question à d'autres hauts fonctionnaires qui travaillaient avec Alexis Kohler sur ce qui lui est reproché. Tous ont immédiatement volé à son secours. C'est-à-dire c'est vraiment le terme d'amnistie. Entre eux, ils s'amnistient. Même si Alexis Kohler est présumé innocent, bien sûr, mais avant toute analyse de la situation, ils s'amnistient. Et dans le livre, je donne un exemple qui est frappant. Ursy est un homme qui, par sa médiocrité, par son manque de vision, est un homme qui va être amené à passer les lignes rouges de la loi, quitte même à poser des actes qui sont pénalement répréhensibles. Eh bien, cet homme a immédiatement été entouré de ses, on va dire, frères d'armes et de ses pères du corps des ponts. Parce qu'ils font corps. Et c'est un fonctionnement de tous pour un pour tous. Et à vie. Et c'est comme ça qu'ils tiennent le pouvoir, qu'ils le conservent et qu'ils se l'accaparent décennie après décennie. Vous parlez dans votre livre de la noblesse de service. De servir, pardon. Soyons un peu cyniques, est-ce qu'il n'y a pas un peu de naïveté en vous, en croyant que finalement, cette haute administration, ces hauts fonctionnaires sont les hussards noirs de la République? Eh bien, je suis fier d'avoir cette naïveté, effectivement. Je crois en une chose qui aujourd'hui a de moins en moins de valeur, malheureusement, c'est à la recherche de la vérité. Et je pense que lorsque l'on est en position d'occuper une situation d'élite, on va dire, en tout cas de personne qui est en représentation pour la nation, on doit être dans cette démarche-là. Elle est absolument nécessaire à un fonctionnement sain d'une démocratie. Dès que ces hommes-là deviennent poreux à la corruption, dès qu'ils deviennent poreux à... Je parle de corruption, je ne parle pas de corruption financière, je parle d'une corruption morale, c'est-à-dire à une dégradation de valeurs qui les conduit à préférer mentir, à préférer manipuler, donc, on commence doucement, et puis aujourd'hui, on se rend compte que quoi ? On se rend compte que le pouvoir est capable de manipulation éhontée, absolument grotesque même.
ces personnes-là ne peuvent plus, en aucun cas, représenter une population. Donc, ma naïveté, c'est effectivement de penser que la population ne peut être représentée que par des personnes qui vont avoir une force intérieure, une vertébralisation, c'est-à-dire qu'une capacité à être reliée à des valeurs plus hautes, on va dire, qui les dépassent. Quand vous dépeignez le pouvoir de séduction, mais voire de manipulation de votre haut fonctionnaire, donc Urci, dans votre livre, on imagine tout de suite, étrangement, le portrait d'Emmanuel Macron. Pourquoi ça? Est-ce que c'est fait exprès? Alors, oui, c'est fait exprès, mais en fait, je n'ai pas eu à me forcer. au cours de la rédaction du livre, la mise en miroir s'est faite d'elle-même. Et quand je regardais l'un, je comprenais mieux l'autre, et réciproquement. C'était absolument étonnant, et je me suis rendu compte que cet Urci était tout à fait caractéristique, caricatural, même archétypal, en fait, de ces personnes-là. Au point que, depuis l'apparition du livre, j'ai reçu énormément de messages. Certains étaient convaincus que Urci était le haut fonctionnaire qu'ils avaient côtoyé 2 ans auparavant dans telle administration ou dans tel établissement public. C'est absolument étonnant. Et ça m'a fait réfléchir a posteriori, et je me suis rendu compte à quel point, effectivement, ces hommes, quand ils vont perdre ce que j'expliquais tout à l'heure, là, toute valeur ou force intérieure et accepter d'être un lieu de passage du mensonge et de la manipulation, deviennent caricaturaux et finalement se ressemblent tous. Et aujourd'hui, effectivement, cet Urci, qui est une compilation de différents personnages, même s'il y en a un qui est beaucoup plus présent que les autres, est effectivement extrêmement semblable à Emmanuel Macron. Mais justement, c'est, en plus, cette réforme des retraites, vous dites que les hauts fonctionnaires donc, sont responsables de l'immobilisme français depuis des dizaines d'années. Cette réforme des retraites est le symbole de cet immobilisme, justement. Oui, alors, pourquoi ils sont le symbole de l'immobilisme, en fait? Ils sont, je pense, ils vivent dans un univers tellement protégé, tellement, on va dire, ouaté, tellement sans risque, en toute impunité, amnistié par avance même, quoi qu'ils fassent, ils vont chercher avant tout le statu quo. Le statu quo absolu. Il faut que rien ne bouge. Il faut que rien ne bouge. Donc, d'un côté, on a un groupe qui va chercher à ce que rien ne bouge, et d'un autre côté, on a des temps qui évoluent très vite et qui nécessitent une société qui puisse s'adapter à ces temps-là. Et donc aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'on a une société qui grince énormément parce qu'on a un groupe qui est incapable de s'adapter. Et c'est pas la population qui est incapable de s'adapter, c'est plutôt ce groupe-là. Et c'est le grand tour de passe-passe, le grand tour de force que ce groupe a réussi à faire, c'est-à-dire de renvoyer sur la population de façon très claire qu'il méprise. Hein. On voit très clairement que le pouvoir a un regard très, très méprisant sur la population. Moi, le fonctionnement de caste dans la haute fonction publique et dans la définition du mot caste, c'est un regard, pour ceux qui sont à l'intérieur de la caste, c'est un regard de mépris pour ceux qui sont à l'extérieur. Ces individus sont convaincus qu'ils sont les plus intelligents, qui sont l'élite de l'élite. Je raconte une scène dans mon livre qui est stupéfiante de voir comment certains peuvent effectivement formuler qu'ils appartiennent à l'élite de l'élite. Et ils en sont convaincus. Donc ce sont des gens qui ne se trompent jamais, ce sont des gens qui sont convaincus d'avoir la claire vision. Et ils ont aussi la capacité, parce qu'on est rentré dans une époque, je l'évoquais tout à l'heure, d'un totalitarisme rampant. Et une des caractéristiques du totalitarisme, c'est une certaine paranoïa. Et la paranoïa se caractérise par un renvoi sur l'autre de ses propres défauts.
Et quand je lis, en fait, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui avec ce prisme-là, les choses s'éclairent de façon... ça devient très clair. Ça devient très clair. Et donc, la bureaucratie ferait perdre toute audace. La bureaucratie, effectivement, est de fait un lieu sans audace. Un lieu sans... Mais c'est vraiment, en fait, le royaume de l'esbrouf, en fait, du bluff, quoi. De la communication, finalement, de le triomphe de la com. Alors, il y a à la fois la nécessité de ne pas être dans l'audace pour préserver sa carrière, tout en montrant qu'on est essentiel. Donc il y a un jeu, en fait, à la fois de communication, de faire croire que l'on fait, etc., etc. Donc beaucoup sont passés extraordinairement maîtres dans cet art-là, qui est un art qui ne crée rien, qui est un art qui trompe. Et c'est pour ça aussi qu'on aboutit à cette faculté du mensonge, cette faculté de la manipulation, puisque ce ne sont que des prolongements, en fait, de cette façon d'être. Est-ce que justement aussi ça participe de cette... Vous parliez tout à l'heure de la dépolitisation des citoyens. Oui, c'est-à-dire que le citoyen ne se sent plus représenté par ces gens-là. Mmh. Moi, je suis frappé, vraiment frappé, de voir la question du bon sens, qui est quand même quelque chose d'absolument central dans le fonctionnement d'une société. Je vois très peu de bon sens, en fait, dans ce groupe que je décris, qui appartient dans cette oligarchie plutôt. Par contre, le bon sens appartient à la population. Et la population, très clairement aujourd'hui, elle ressent évidemment que ceux qui dirigent la société sont dépourvus de bon sens, sont dans une situation d'impunité, ne vivent pas en tout cas ce que elle vit. Et pour paraphraser un adage, on pourrait dire que celui qui sème l'impunité récolte la colère. Aujourd'hui, on est là. On est dans cet état-là, cette situation-là, où je pense que la population... Le sujet des retraites est un... Et ce qui est mis en avant aujourd'hui, mais c'est ce qui est visible, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais il y a tellement plus dans la colère, en fait, à mon avis, qui se manifeste. Il y a cette vision, en fait, d'une oligarchie qui est dans une impunité absolue, qui n'est jamais coupable, qui n'est jamais responsable, et pour laquelle le mot responsable est juste quelque chose de presque décoratif. Mais il n'assume pas la responsabilité. J'ai lu très récemment... alors, c'est pas une lecture facile, mais c'est une lecture tout à fait intéressante. La lecture du dernier rapport du GRECO. Le GRECO, c'est le groupe d'États contre la corruption en Europe. Et... Ce qui est frappant, c'est que on a le compte-rendu des différentes auditions du GRECO auprès des cabinets des ministres Darmanin et Dupond-Moretti. Bon. Eh bien, quand on voit ce que les membres du cabinet répondent aux membres du GRECO, on a l'impression d'un jeu. On a l'impression de haut fonctionnaire qui joue à « attrape-moi si tu peux » et tu vas voir, je vais courir plus vite que toi parce que je suis plus malin. On n'a pas des gens qui assument une responsabilité. Les questions qui sont posées sont quand même des questions graves autour de la corruption, corruption morale, non-respect de tout un tas de procédures, voire de lois, voire de principes. Et on a en face, on observe des personnes qui répondent aux questions du GRECO avec des involtures, de façon presque en jouant. Et c'est tout à fait typique, en fait, de personnes qui vivent dans un monde virtuel. Ils ne vivent pas dans le même monde. Alors, je sais que c'est un lieu commun de le dire, mais ils ne vivent très clairement pas dans le même monde de cette population qui aujourd'hui se...
est en colère et se soulève. Ce qui, et d'ailleurs, ils ne le comprennent pas. Ce qui, à mon sens, fait de ce moment actuel un moment charnière. Soit, effectivement, on arrive à... la population arrive, ou la colère arrive à faire reculer le gouvernement, et la volonté de rampante de totalitarisme qui s'est mise en place s'amoindrira, mais c'est pas pour ça qu'elle disparaîtra, donc il faudra être très vigilant. Soit la colère ne gagne pas, et à ce moment-là, je pense que notre démocratie va souffrir. Et aujourd'hui, je pense même que le vote ne sert plus à grand-chose, malheureusement. Je pense qu'il ne sert plus... Vu la puissance de pouvoir de cette oligarchie, changer le président X par le président Y ne va pas changer grand-chose. Ça va changer à la marge quelques dispositions sociétales, accélérer peut-être quelques dispositions sociales ou sociétales, mais pour le reste, tout est déjà figé. Donc je crois aujourd'hui, et c'est tragique, que notre démocratie n'offre plus un vote qui est capable de changer les choses. Oui. Le peuple, en tout cas, n'est plus souverain. C'est assez désespérant. C'est inquiétant, oui, c'est inquiétant. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut pouvoir inventer, puisque cette oligarchie est dans un angle mort démocratique, il faut pouvoir inventer, il faut pouvoir rétablir, et je pense qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est ce référendum qui est demandé sur la question des retraites, et pour demander au peuple son avis. C'est un acte, en fait, démocratique absolument nécessaire, à mon sens, aujourd'hui, pour redonner, en fait, à notre démocratie un peu de vie, oui. Est-ce que pour vous, on est à l'aube de 1789 ? Alors, vous me posiez tout à l'heure la question et j'ai pas complètement répondu. Alors j'ai dit qu'on était dans un système plutôt protéiforme. On n'est pas dans un système d'ordre. Je dirais plutôt qu'on est dans un système de mono ou même de bi-ordre avec une oligarchie et une population. Je pense qu'on est effectivement dans une situation éruptive. Alors, est-ce que ça peut prendre les formes de 89, je ne sais pas, mais en tout cas, on est dans une situation particulièrement éruptive. Ce qu'on voit aujourd'hui, et ce qui montre, et c'est le message positif et pas désespérant, c'est le message optimiste, c'est que la population réagit. On l'a pensée totalement dépolitisée. Manifestement, là, elle réagit. Elle réagit à un moment crucial où on tente de définitivement lui retirer sa souveraineté. Donc on a parlé de démocratie, de politique, de captation du pouvoir. On n'a pas parlé d'argent. Combien gagne un haut fonctionnaire en moyenne ? Je ne sais pas vous dire... Parce que ce ne sont pas eux qui gagnent le plus en France. Non, ce ne sont pas eux qui gagnent le plus. Ce sont des postes... Sauf quand ils pantouflent. Sauf quand ils pantouflent et qu'ils gardent. Alors, le pantouflage, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour le haut fonctionnaire, puisqu'il garde son statut de haut fonctionnaire tout en ayant les avantages du privé. Alors, dans la fonction publique, le haut fonctionnaire va gagner minimum 150 000, 160 000 euros par an. Moi, c'est ce que j'ai vu. Alors après, ça peut monter beaucoup plus. On dit qu'à Bercy, il y a des salaires à 300 000, 400 000 euros par an. Voilà, donc ce sont des gens qui peuvent gagner beaucoup plus que le président de la République. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques années, à Bercy, il y a une liste qui est sortie des hauts fonctionnaires beaucoup mieux payés que le ministre. Ça pose effectivement là aussi un problème démocratique. Ça pose aussi, oui, une vraie question. Enfin, le problème de hiérarchie. Je dirais pas démocratique, mais une vraie question. Alors, on peut toujours dire que ce sont des salaires bien inférieurs à au privé, bien sûr. Reste que ces hauts fonctionnaires bénéficient de privilèges extraordinaires, et ils ont des métiers particulièrement intéressants, extrêmement intéressants. Ils ont une totale impunité.
Est-ce que c'est une crise des élites en général ou c'est une crise politique qui est quand même caractéristique en Occident ou c'est... Je dirais que l'une entraîne l'autre, et je dirais que c'est les deux. La crise des élites, bon, on en a parlé. Une élite, moi je considère qu'une élite... qui n'est pas tue. Par définition, elle incarne des valeurs, elle incarne une exemplarité. Quand elle ne les incarne plus, et c'est ce que l'on observe aujourd'hui, quand elle les incarne plus, elle n'est plus une élite, elle se transforme en oligarchie. Et une oligarchie ne peut... Comment dire? Une oligarchie qui est au pouvoir conduit à une crise politique, de fait. Tout à l'heure, on a parlé de responsabilité. Un haut fonctionnaire ne peut pas être sanctionné? Ne peut pas être viré? Non, je crois pas. Ne peut pas être radié? Là, il faut qu'il fasse des choses très très graves, oui. Il me semble dans votre livre, justement, qu'un haut fonctionnaire qui a vraiment, vraiment... disons-le, déconner, il se fait muter, en tout cas. Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, cet exemple est très bon, effectivement, sur ce sujet-là. C'est un homme qui, comme souvent hein, dans ce groupe, montre une capacité d'écoute quasi nulle, parce qu'il est dans une surconfiance personnelle, puisqu'il a été élevé dans l'idée qu'il était l'élite de l'élite, et qu'il savait tout. Donc c'est un homme qui a été nommé à un poste de responsabilité d'un grand port français, et qui décidait seul de ce qu'il devait faire, au point qu'il a profondément inquiété un homme politique... avec une haute stature en France. Cet homme politique a essayé de déloger ce haut fonctionnaire qui, année après année, dégradait les résultats du port qu'il gérait, au point de réduire son activité de 30% en l'espace de 5-6 ans. Eh bien, ce haut politique n'a pas réussi à le déloger. Le corps des ponts a maintenu ce haut fonctionnaire jusqu'au bout de son mandat, et à la fin de son mandat, il a été placé dans un autre poste, qui est un poste de responsabilité. Donc vous voyez, là on parle d'impunité. On parle d'impunité, comment quelqu'un dans une société privée, à la tête d'une telle société, pourrait dégrader de 30% l'activité de la société sans partir avec perte et fracas, déjà à 5% de perte d'activité. Donc, ils vivent quand même dans un monde qui est extrêmement protégé. De fait, ils ne peuvent pas comprendre le monde actuel. Et ils ne peuvent pas prendre de décision. Voilà, c'est tout un engrenage que je voulais démontrer dans ce livre, toute une aberration de mettre des hommes comme ça, qui n'ont pas d'expérience... De l'entreprise ? Oui, de l'entreprise et du monde dans lequel nous vivons, à des postes de ce type-là. Alors certains s'en tirent très très bien, et puis d'autres conduisent à des catastrophes industrielles, mais ça peut conduire vraiment à des catastrophes, parce que ça se double de personnalités qui n'écoutent pas, qui n'en font qu'à leur tête, parce qu'ils sont enfermés dans leur certitude. Et donc, le prince des seigneurs, comme vous l'appelez, Emmanuel Macron, a tenté de réformer donc l'ENA en changeant le nom avec l'INSPE. Est-ce que vous approuvez cette réforme? Oh là, est-ce que j'approuve cette réforme? C'est pas. Alors, il y a deux choses, et ça, c'est un point très important. Je pense. Alors, je vais dire deux choses. Le premier point, c'est que c'est pas l'école en elle-même qui est un problème, c'est le corporatisme post-école. C'est l'état d'esprit corporatiste. Parce qu'il faut des écoles qui soient des écoles élitistes, qui sélectionnent des gens de qualité pour les former à des postes de haute administration, des postes de direction, etc. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Ce qui pose vraiment problème, c'est le corporatisme et le fonctionnement en caste. C'est ça qu'il faut casser, absolument casser. Et c'est là-dessus que le citoyen n'a aucune prise. Parce que à l'intérieur de cette caste-là,
ce sont eux-mêmes qui gèrent leur carrière. Donc, vous voyez à quel point ce monde est merveilleux. C'est eux-mêmes qui gèrent leur carrière, c'est eux-mêmes qui, finalement, vont se nommer à tel ou tel poste. Donc, c'est là qu'on a quelque chose de tout à fait anormal. Donc, ce n'est pas l'école qui pose problème, c'est le corporatisme. Mais le deuxième point par rapport à cette réforme, c'est la chose suivante. Cette nouvelle école va avoir un tronc commun de formation à la fois d'administrateurs de l'État, donc les anciens ENA, mais aussi de magistrats, mais aussi enfin de hauts magistrats, mais aussi de hauts policiers, etc. Bilan, si on veut chercher le diable dans les détails, on peut se dire que la perversité étant capable de transformer toute bonne idée au départ en idée monstrueuse, imaginons que ces hommes-là qui vivent du réseau, qui vivent par le réseau et qui ont le pouvoir grâce au réseau, ces hommes-là, tout de suite, en entrant dans cette école, on les met tous ensemble, les magistrats, les policiers, les futurs hauts fonctionnaires de l'État administrateur. Ce que je décris dans mon livre, c'est que la difficulté pour avoir la totale impunité de ces hauts fonctionnaires, des grands corps d'État, c'est d'avoir prise sur la justice. Eh bien, avec cette école, on peut imaginer qu'ils vont, par ce tronc commun, construire des réseaux, dès le début, entre magistrats, futurs magistrats, futurs hauts policiers, futurs... Ce qui n'était pas encore le cas. Ce qui n'était pas le cas. Vous voyez, donc ça va renforcer ces réseaux, cette cooptation. Ça pourrait renforcer. Si on voit le côté pervers, hein, possible, mais ils sont très malins. Ils ont une malignité tout à fait particulière. Et quand les valeurs sont perdues, la perversité avance beaucoup plus vite. Et moi, je considère que quand les valeurs sont perdues, on atteint ce qu'on appelle la médiocrité. Et la médiocrité est poreuse à la corruption. Donc, je considère que le risque de perversion, comme je vous l'ai décrit, est tout à fait important. Vous décrivez aussi dans le livre la quête des honneurs absolus, une recherche absolue donc des honneurs et notamment de la Légion d'honneur. Oui. Mais je m'amuse tous les 6 mois. Petit plaisir de 10 minutes. Le journal officiel. Je passe en revue le journal officiel de toutes les nominations. Eh bien, j'invite les téléspectateurs à le faire aussi et à, pas dire compter, mais à regarder grossièrement la proportion de hauts fonctionnaires qui sont nommés et qui ont la Légion d'honneur. C'est tous les 6 mois. Je crois que c'est tous les 6 mois. Il y a une promotion 1er janvier, il y a une promotion le 14 juillet. Il doit y avoir des nominations entre, mais les deux grosses promotions sont à ces deux moments-là. Et donc, c'est votre petit plaisir? C'est un petit plaisir de 10 minutes. Je passe en revue les nominés. C'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire la proportion? La proportion est très, très importante. Vous voyez beaucoup de hauts fonctionnaires. C'est-à-dire, je ne voudrais pas dire, mais imaginons à 30%. C'est important. En 2016, je vous parlais tout à l'heure des États-Unis. Donc, en 2016, Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche avec la promesse de « drain the swamp », c'est-à-dire de drainer le marais, de supprimer cet état profond afin de retrouver la vraie démocratie. Est-ce que, pour vous, ça peut être une des solutions? Est-ce que, finalement, le populisme, c'est la solution à cette oligarchie? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il, dans la situation actuelle, il puisse y avoir un homme providentiel. Donc ça, je n'y crois absolument pas. Je pense que ça ne passera que par un retour à l'esprit de la Constitution initiale de la Cinquième qui a été grandement dévoyée. Et il ne peut pas y avoir d'angle mort démocratique
dans une démocratie. Donc c'est ça qu'il faut travailler, et il faut retrouver, pour compenser en fait cet angle mort aujourd'hui, il faut retrouver le lien direct avec la population. On a de toute façon un problème majeur qui est un problème aujourd'hui de valeur. Il y a une perte de valeur qui fait que, c'est ce que je disais tout à l'heure, la capacité à tordre le réel de la part des politiques ou de l'oligarchie et de présenter ce réel tordu à la population en affirmant que c'est la vérité est tout à fait problématique aujourd'hui. Et on le voit couramment. Rappelons-nous l'histoire des Anglais qui ont assailli le stade de France lors de la, je crois que c'était une finale de la Coupe d'Europe. C'est tout à fait caractéristique. Les violences que l'on voit dans la rue aujourd'hui, lors des manifestations, il y a une sorte d'inversion. Je considère aujourd'hui que... Inversion des valeurs ? Oui, il y a une inversion des valeurs. C'est Orwell, en fait. Pardon ? C'est Orwell. Oui, on est dans ce... Ben, c'est ce totalitarisme rampant hein, que j'évoque, où effectivement, aujourd'hui, on ne se cache plus à inverser les valeurs, on ne se cache plus à manipuler, à mentir. C'est devenu une... Ben, je le dis dans le livre, c'est devenu une qualité, c'est devenu ce qu'ils appellent l'habileté. Voilà. L'habileté, c'est ça. Or, c'est dans une situation d'un pays qui voudrait vivre sainement et sereinement, c'est quelque chose qui est profondément interdit. C'est totalement orthogonal à un fonctionnement sain. Pour parler rapidement des violences, on se focalise aujourd'hui sur les violences dans la rue, sur la violence à Sainte-Soline, etc. Mais il y a une autre violence qui, elle, ne se voit pas, qui n'est pas caractérisée comme violence, mais qui est considérable, c'est le dévoiement des institutions comme il a été fait. C'est la confiscation du pouvoir par une oligarchie comme elle existe. Cette violence, elle est considérable parce que elle détruit tous les fondements d'une démocratie qui repose sur un contrat social entre un peuple et un pouvoir avec entre les deux la confiance. Si effectivement, ben comme je le disais tout à l'heure, on est dans une situation où l'impunité aujourd'hui fonctionne à plein régime, qui sème l'impunité récolte la colère. On est dans cette situation-là. Et je pense que le gouvernement aujourd'hui est coupable d'une violence institutionnelle et antidémocratique qui est très forte, oui. Et donc, à travers ce prisme, comment vous analysez la crise des Gilets jaunes ? Eh bien, la crise des Gilets jaunes, elle, à mon sens, c'est une secousse sismique précurseuse, on va dire, d'une population qui ne fait plus confiance à ceux qui gouvernent. Et cette absence de confiance, alors qui va être... Et c'est malheureusement la multiplicité des revendications qui a aussi tué et décrédibilisé le mouvement. Mais la perte de confiance de cette population qui s'est soulevée et qui a été... qui a pris des formes différentes par des revendications multiples, elle est issue de l'impunité qui a pu être vue, elle est issue de l'injustice, parce que l'impunité conduit à l'injustice, etc. Moi, je l'analyse comme ça. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, en avril 2019, a fait une conférence de presse dans laquelle il a annoncé, et vous l'avez évoqué, la réforme des grands corps d'État, a annoncé sa volonté de réformer les grands corps d'État, et il l'a lié au mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que pour lui, dans son esprit, à cette époque-là, il y avait un lien direct entre le fonctionnement de caste de l'oligarchie
et le soulèvement d'une partie de la population. Donc, en répondant par « je casse les grands corps d'État », il estimait pouvoir répondre à ce qu'il peut-être pensait être la cause du soulèvement des Gilets jaunes. Donc la suppression des corps intermédiaires. Non, les grands corps d'État. La suppression des grands corps d'État. Ce qu'il n'a pas réussi à faire, d'ailleurs, parce que le corps des mines et le corps des ponts ont refusé. Merci beaucoup, Paul-Antoine Martin. Merci. Merci à nos auditeurs et aux internautes de nous avoir suivis pendant cette émission passionnante. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager cette vidéo. Encore un grand merci à vous, Paul-Antoine Martin, d'avoir accepté notre invitation. Et très bonne soirée à tous. Merci.